Salut tout le monde, titre VTPH numéro Patrick Roy, number 33, break 242, ça fait bien des chiffres, mais on veut faire le suivi pour vous garder un peu up to date des fois qu'on voudrait peut-être fâcher par un concours ou quoi que ce soit. De toute façon, l'important c'est la notification que vous devez recevoir à chaque break. Est-ce que vous les recevez? Si la réponse est oui, je suis heureux. Il y a eu un temps où ça ne fonctionnait pas et là, ça fonctionne de nouveau théoriquement. Donc, juste encore une fois, une petite confirmation que les textos fonctionnent. Et si c'est le cas, festoyons. Et petite vite, vous m'avez eu. Et oui, vous m'avez eu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est plein. Et oui, voilà, vous m'avez eu. Et ça me fait plaisir. J'adore ça. On a fait un retour avec les petites vites. Quand la série 1, 21-22 sera de retour, je vous promets. Promets. On va faire des petites vites de série 1, 21-22. Ça fonctionne? Yes, sir, mon David. Je suis très content. Je valide toujours parce que des fois, ça marche plus. Puis là, ça marche. Ça fait deux fois, ça marche. Fait que, yeah! Hey, on continue. On se croise les doigts, puis ça continue même. Donc, on y est. Je n'ai qu'à cliquer sur le bouton et la magie s'opère. C'est parti, tout le monde. Je vous souhaite la plus grande des chances pour cette petite vite de série 2, 2021. En attendant, la série 1, 21-22, la semaine prochaine. Très prochaine. Très hâte pour vous. Alors, c'est un départ. Nous y allons des Highlanders à Caroline. Et c'est parti. On roule. Le deuxième coup, parti pour Vegas jusqu'aux Highlanders. Vegas aux Highlanders. Et le dernier tour. Dernier tour est fait des Jets. Oh, wild. Oh, le wild tout en bas. Qui finira en bas de la liste des participants? C'est ce qu'on saura. Quelques instants, c'est le départ pour la première fois. Ce Jean-Sébastien jusqu'à Thierville. Et vous, let's go, les David. En effet, il y en a quelques-uns. Deuxième tour de Marc-André à Jean-Sébastien. Et le troisième tour est fait de Fred à David. Lequel? David. C'est toi, David. Je vous amène tout de suite de l'autre côté à mon carte, tout le monde. Eh bien, nous y voilà. La liste est là. Je vous rappelle toujours. Juste ici, si vous le souhaitez. Les codes de random. Sinon, allons-y pour un dispatch très rapide. Et là, vous allez m'entendre dire, David, plusieurs fois. Il y a des L, des P, des Pi, des Pa, des Po, des La. Je veux dire, David, et théoriquement, pour vous distinguer vous-même, ce qui est bien, c'est que vous allez recevoir vos textos, vous spécifiant vos équipes. Donc, s'il y avait deux ou trois David, dont Pi Papo, vous ne serez pas trompé. Vous aurez les équipes selon votre texto. De toute façon, je peux tout vous dire ça à la fin. David, ben oui, David. David et David. Et je crois qu'il y a même... Est-ce qu'il y en a un troisième? Je crois que vous êtes deux. Mais quand même, allons-y, c'est parti, bonne chance à toutes et à tous. Alors, David, les Ducks, Jean-Sébastien, l'Arizona, Boston, David, bien sûr, Buffalo, Mathieu, Calgary, Jonathan, Double J, Joe, avec les Flames, la Caroline, Jean-François, Chicago, David, Colorado, Jean-François, Columbus, Jean-François également, Dallas, Alexandre, Détroit, Danny, Edmonton, Fred, Michael, la Floride, Los Angeles, David aussi, le Wild et le Canadien de Montréal. Pourquoi pas aussi les Islanders, 3-3, let's go. Les Rangers sont à Marc-André, Nashville, Pierre-Philippe. Parenthèse, Pierre-Philippe, j'ai corrigé ton nom. J'ai réalisé que la machine, ça ne voit pas de trait d'union, elle se dit c'est prénom, nom de famille. Donc, j'ai corrigé la chose et là, tu vois, au lieu que ce soit écrit juste Pierre PH, que le monde s'imagine que c'est moi, ben c'est pas moi, c'est Pierre-Philippe. Alors le problème est résolu. PH est un réparateur Maytag du break. Bref, on continue. Jason H. Avec les Devils. Ottawa pour Jean-Sébastien. Philadelphie à Jason. Pittsburgh à Michael. San Jose Simon. Saint-Louis à Jérémy, Tampa, Philippe, salut Philippe, Alexandre à Toronto, Vancouver à David, Vegas à Marc-André, Jean-Sébastien Washington. On termine avec Fred et c'est Jets de Winnipeg. Alors une boîte, petite vite seulement, mais elle fait ça très rapidement, mais très bien également, parce que les petites vites, c'est à peu près ça le concept. Hein? Vite fait, bien fait comme on dit.
satisfaisant et à la fois... bref, j'arrête ça là. Je veux pas que tout le monde s'imagine que je fais des jokes à connotation erratique. Ce n'est pas le cas. C'était vraiment... je m'en suis aperçu. Bon, bref. Hey, on y va. 24 pacas. Et non pas des pacanes. C'est parti, mon kiki. Premier de ces pacas. Et on commence avec une William Lagesson pour les Oilers d'Edmonton Young Gun. Traite en partant, comme on dit pour Fred. Et c'est Oilers. Réconfortant. Oui, j'aime bien ça. Réconfortant. T'as tout à fait raison, mon Joe. William Lagesson, Young Gun pour les Oilers. Plaisant. Plaisant également. Ouais, c'est vrai ça. Prochain paquet. Et on y va. Kirill Yustimenko. Pas le bon Kirill, mais pour les Flyers, lui dira, c'est le bon Kirill. Yustimenko pour les Flyers, le gardien. Portraits Rookie. Le prochain paquet ici, c'est une Mackenzie Entwistle pour Chicago. OPG Marky Rookie Update. J'aime bien ce que je lis, j'apprécie aussi. Et moi aussi, hein, je trouve tous ces qualificatifs, je les ressens également. J'adore ça, faire ça avec vous. Joe Pavelski, Canvas, Stars de Dallas. Canvas pour Dallas. Passer ce temps avec vous, c'est toujours apprécié. Connor Ingram. Pour les Preds de Nashville, OPG Update. Si ma blonde m'écoute, faut pas qu'elle pense que j'aime plus passer le temps avec vous qu'avec elle. Mais toujours, toujours plaisant de faire les deux. Pourvu que n'y a pas un des deux qui prenne plus sur l'autre. Hein? On se comprend. Holy Yolevi, Marky Rookie Retro. C'est pour les Canucks de Vancouver. And I want to conquer the world. Alec Regula pour les Blackhawks de Chicago. C'est une Young Gun. Notre numéro 2. Alors, Alec Regula. Young Gun pour les Blackhawks. Young Gun number 2. La prochaine, c'est une Portraits Yanni Hakampa pour les Ducks d'Anaheim. Portraits Rookie. On retourne avec une Matt Dumba. OPG Update, gagnant du trophée King Clancy. King Clancy, trophée remis, je crois, à celui... pas la meilleure, ni le plus, mais d'un joueur qui, je crois, remet beaucoup à la communauté pour une fondation. Oh, une belle canvas ici pour l'Arizona Darcy Kuemper. J'aime les photos des canvas, souvent sont plongeantes. Direct dans l'action. La prochaine carte ici est une autre update de Nick Robertson pour Toronto. Lui qui a marqué son vrai premier but dans les majeures. Je crois cette semaine ou la semaine passée, j'ai un petit blanc de mémoire. Il me semble avoir lu ça. C'est une OPG update rétro. Marky Rookie pour Washington de Alexander Alexiev. Et c'est-tu pas plaisir? Oh! Pour les Caps de Washington, Connor McMichael, Colors and Contour, Prospect. Et je crois que ça va dans la catégorie Update MVP. Et pour Washington, de Jean-Sébastien. C'est numéroté 185 sur 250. 185 sur 250. Connor McMichael, Colors and Contour. MVP. J'ai appris tout récemment que c'était ça le nom de cette carte. Alors voilà. Colors and Contour. Update sur 250. En tout cas, je pense bien pas me tromper. Si je me trompe. Oups.
Si Pascal était là, ou il est là peut-être, des fois il me regarde sans me le dire. C'est encore louche comme phrase. En tout cas, bref, regarde les breaks sans pour autant commenter. Il sera là pour me confirmer. Bref. Connor Ingram, Blue Border, Marquee Rookie Update pour les Preds de Nashville. Un paquet à la fois. Il reste 4 Young Guns quand même. Alors, on y va avec une Portraits, Philippe Kourachev pour Chicago. Portraits Rookie. Est-ce que la plupart d'entre vous qui avez participé à des breaks de série ont déjà commencé à recevoir leurs cartes? Pour Montréal, Alexander Romanov. Young Gun. Alors, pour un David. Et c'est le David de Pay, cette fois. Alexander Romanov, Young Gun, pour Montréal. Alexander Romanov. 6 janvier 2000. Quand même jeune encore, Romanov. On s'entend, bien sûr. C'est pas une petite jeunesse, mais il est pas vieux. Encore beaucoup de hockey à jouer pour lui. John Tavares. John Tavares. Canvas pour Toronto. Ainsi qu'une Shea Weber. Alors, ça devrait être bleu. Alors, Canvas. Canvas. Excusez-moi. Prise 2. Dazzlers Blue. Dazzlers Blue pour Montréal. Shea Weber. Super. Nice hit, David. C'est pas pire parce qu'en disant David dans ce break, j'ai quand même une chance quasiment sur deux de tomber sur le bon. Autre Young Gun pour les Blackhawks de Chicago. Mackenzie Entwistle. Il mérite quand même le titre de la Young Gun la plus drôle à mentionner son nom. Entwistle. Come on, baby. Let's do the twist. Mackenzie Entwistle pour les Blackhawks de David. Encore le David P. Alors, David, David. Je crois qu'on a vraiment juste deux David. Un LA et un PI. On continue ici avec une Artem Zagidoulin. Marquee Rookie Update pour les Flames de Calgary. Artem Zagidoulin. Prochain paquet. C'est une Portraits de Shane Bowers. Shane Bowers pour le Colorado. Portraits Rookie. Et pourquoi pas une belle variante française. Pour Ian Cole. Ian Cole, encore une fois, pour le Colorado. Les deux meilleurs. Ian Cole pour l'Avalanche du Colorado de Jean-François. Ian Cole. Et en français, ça fait Ian Cole. C'est la même chose. Et on continue. Continue, continue. Il reste juste 4 paquets avec celui que j'ai dans les mains. Donc, une Young Gun ici. We're down Tim Stutzler pour les Sénateurs d'Ottawa. Jean-Sébastien. Tim Stutzler, Young Gun. Et voilà, pour les Sénateurs, Tim Stutzler. Le Allemand. Les Allemands pour les Sénateurs d'Ottawa. Cinquième Young Gun et la bonne pour les Sénateurs. Félicitations, Jean-Sébastien. Il reste quand même 3 paquets. Fais-tu une autre? Écoute, j'ai le goût. Ça vous tente? Ça vous tente? Parce que j'ai des... Vous allez, ça vous intéresse? Juste avant, je vous montre Nils Höglander pour les Canucks de Vancouver. David Hell, cette fois-ci. Young Gun
Canvas, Nils Höglander. Laissez-moi 2 secondes. Oui, donc, là, mon ami. Et voilà. Hey, vous me donnez le goût, là. Vous me donnez le goût d'une autre petite vite. Est-ce que ça vous tente encore la même boîte? Alors, Nils Höglander pour les Canucks, qui se mérite quand même. Ça me tente, ça me tente. Si on fait, on fait un retour avec ça. Parce que je vous avoue que pour... Si je veux garder le même prix, la même pensée, j'ai plus autant d'options que j'en avais pour vous offrir. Donc, et là, qu'est-ce que nous avons? C'est une Young Gun Checklist. Qui est le propriétaire des Sabres de Buffalo? Il s'agit de Mathieu. Et les Sénateurs, il s'agit de Jean-Sébastien. Ce sera donc un random. Naturellement. Salut Pascal. Écoute, j'ai parlé de toi tantôt. On dirait que tu m'as entendu. Alors, il y aura un random entre les Sénateurs et les Sabres de Buffalo tout de suite après ce dernier paquet. Et écoutez, vous me tentez et Joe, Double J Joe, je te fais une promesse. Si jamais le random te fait encore une fois tomber sur les Flames de Calgary, je te promets un cadeau de ma part. Promis, 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 promis. Donc, on a une dernière carte et ça semble être une clear cut. Young Gun. Et qu'est-ce que nous aurons comme dernière clear cut? C'est une clear cut Young Gun et c'est pour de vrai... Pour de vrai, clear cut Young Gun. Boom! Mason Marchment! Ah, ouais, dans les Panthers! Exactement, j'ai sorti une MVP. Kaboom! Mason Marchment! Holy Panthers of Mikael! Mason Marchment, Young Gun, clear cut. Qui est environ 50$ quand même, et je vous dis ça en toute certitude, puisque nous en avons vendu une tout récemment. Je vais dire même plus, c'était une solide. Une seule boîte de série 2. Je sais pas si ça vous le dit. Break trop tard. Mais non, peut-être pas trop tard, peut-être, parce que il me semble que j'ai eu des échos de quelques personnes. Excusez-moi. J'ai eu des échos de quelques personnes qui souhaiteraient peut-être une petite vite. Numéro 34, ici, c'est bien le cas. On va demander une majorité. Et si c'est le cas, bien. On pourrait avoir une autre petite vite. Right now. Right about now, Defonso Robert. Right about now. OK. Donc, j'ai oublié de faire OK. C'est fait. A new giveaway. Allons-y pour le break numéro 240. C'est combien, donc? Une bien belle boîte. Une belle boîte. Maudite boîte. Je te montre ça dans le recap, Pascal, dans 30 secondes. 30 secondes parce que j'ai un giveaway. Alors ici, on a break numéro... Ah, mais je faisais ça pour voir c'était quoi le numéro du break, puis je l'ai même pas vu. Bon. Ça dit break, 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 break. Et on va faire ça de même, je vais le voir. Donc, il y a 242. Bon. Et là, là. Pas facile. Break numéro 242. 2, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2. Donc, random. Checklist. Young Gun. Alors, on y va tout de suite avec les Senators. Et les Sabres. Alors, brassage de dés, résultat de 5 ou plus. Et nous avons 10. 10 tours, c'est parti. Bonne chance. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le dernier tour. Les Sabres de Buffalo! Alors, les Sabres de Buffalo qui se méritent, c'est Mathieu! Mathieu, Mathieu, Mathieu avec les Sabres. Félicitations. Alors, je fais le récapitulatif. J'ai pas mon petit bout de tape vert, mais je vais le faire dans quelques instants. Laisse-moi
Ramasse ça ici. Comme ça. Alors, recap, je te montre mon Pascal, bouge pas. Ian Cole, variante française, checklist Ottawa et Buffalo, mais c'est Buffalo qui remporte la Young Gun Checklist, Mackenzie Entwistle, Alexander Romanov. Pour le Canadien, la voici, Colors and Contours sur 250. C'est bien ça, Colors and Contours. Connor McMichael, numéroté 185 sur 250. Alec Regula, William Lagesson. Nils Oglander, Young Gun Canvas, Mason Marchment, Young Gun Clear Cut pour les Panthers, et une mille, Tim Stutzle pour Ottawa. Et voilà pour la tête de numéro 33. Merci beaucoup, Pascal, de ta confirmation. Youhou! Et voilà! Alors, attendez-moi une petite seconde, on passe ici. Alors, vous êtes prêts? J'en ai 203. Je passe ça à l'instant. Remplissez-moi de ça dans un temps record et on est en direct dans pas très longtemps. Donc, je vous donne 15 minutes. On se redonne rendez-vous dans 15 minutes. Yes, sir. À tout de suite, tout le monde. Petite vite, numéro 34. La même boîte. Pas la même, mais vous avez compris. Alors, on se voit dans quelques instants. Bye-bye, tout le monde.